Ce n'est pas Aïcha, mais Rim. Et à mes côtés, il y a qui se moque? Marhaba bik. Bienvenue sur Algérie chaîne 3. Restez belle avec Rina Kebled. Bienvenue, vous écoutez Alger chaîne 3. Marhaba bhababi wa habab galbi. Alger chaîne 3 a réservé cet espace au patrimoine oral et immatériel. Rachtil Bel, musique, poésie et proverbes. Rachtil Bel sur Alger chaîne 3, la chaîne qui s'intéresse et s'adresse à toute l'Algérie. Le bled, Inch'Allah, Rabbi yahfoudha, ketrouh soudha. Le proverbe du jour rigoule. Haddathni, ou nsahtni, ou aayertni, ou farahtni. Tu m'as entretenu et tu as été sincère avec moi. Tu m'as réprimandé et tu m'as fait plaisir. C'est le proverbe du jour. Mais là, d'ifna lyoum, rayhin nhaddthou, ou nansahou, ou n'aayrou, ou m'a l'khat, n'farahou. Est-ce que tu es te classe l'émission? Il a abandonné. Salam alaikum. Assalamu alaikum, Jobatouri. Oushalakoum. Oushalakinta, Oushalakoum. Ça va, Allah, alhamdoulilah, on est tout le monde. J'ai obtenu ma kdifa, Lyon. J'étais. Ou ma chawar tenish? Ma chawar, c'est ma kdifa, kifa, je n'ai pas d'ifoha. D'ifoha, belli, canou. وتقبليها ما تشرتش. لا ما تشرتش. سيرو ما نجيبهاش معايا. أي صحة مرحبا بك هلا. بونسوار بونسوار. بيانفوني. ميرسي بوكو. سي فوتر بروميير فوا دانز اون راديو. إيفيكتيفمون. ألوغ، إي باري كو كونت أون فوا أون إيماجين بلو. إيست كو سي فري؟ إيست كو سي ميو؟ سي ديفيرون، كومبليتمون ديفيرون. سي ميو كونت أون إيكوت، إي كون فوا با. وي وي وي، باسكو كون ميم أون إيماجين، أون إيماجين بوكو دو شوز. آه تفاهم أنا وياك. Merci Joe, mais je t'aime avec. Alors Joe, nous allons parler de votre parcours avant de parler de votre septième album. Donc, la question qui fâche certains chanteurs, c'est qu'on leur demande de nous parler de leur début. Ils trouvent nous qui fait chbditi, mais ils savent. Mais pas Joe Bartholomew. Ah bon, vous croyez que c'est ça? Normalement. C'est pas la grosse tête? Non, je pense pas. Non. Ah ouais, d'accord. Non. Alors parlez-nous de vos débuts qui remontent à 1995. On va dire 93 dans le move et 95 sur scène. Du hip-hop au diwan qui mène au film sam kihta, comment peut-on passer du hip-hop au gnawa? Bah kihta bah كلش ممكن في الفيلم. Ça m'a fait gaffe ta كلمه. Ma tafch bel a, ma taarfch. Bel a, ma ka deja même في الراب ما كاش دايرين بزاف في الا. C'est un problème, tu vois. Bah, انا يا موسيقى ديالي c'est l'évolution, c'est créativité, ce qui fait c'est pour ça des fois je me retrouve dans des styles où balak mon public ou la balak public que je dis les semaines à chaque fois les découvrir balak des fois mais balak mi accroche je mets tout mais j'ai des fans dans mon style que je l'ai appelé Gnawa Sound System. Mais Gnawa Sound System c'est votre style actuel, mais à vos débuts c'était le hip hop. C'était hip hop, j'étais rappeur, htelt mak sra walla j'étais les couettes kbar, tu vois, fartas les couleurs gars arc-en-ciel arc-en-ciel mais sur scène quel le flow. Et après le retour aux sources, on va dire c'est pas un retour aux sources, hein, c'est une époque où je voulais toucher un son, on va dire, acoustique, mais fadja yani li tqarb liya parce que nhab nkhdem mousiqa bzaf yani li nhassa anaya autant qu'un gnawi yani maternel et paternel, ce qui fait j'ai rien rajouté yani, donc asoka vous n'avez rien inventé yani, y a normalement dans la logique il y a quand rayhan la gnawa rayhan la gnawa tu vois yani, donc, il faut passer par des étapes. Par des étapes où ça, c'est grâce à Oulid Khalti, Allah yirhmou, Mouallem Ben Aïssa. Allah yirhmou, Youssa Ali. Donc vous étiez adolescent à l'époque, vous cherchiez donc hip-hop, blues, jazz. C'était 22 ans, 23, on va dire comme ça. Mais c'est adolescent. Je suis à l'adolescence, mais mazal adolescent. Non, mais adolescent dans le sens, t'as le fun, tu vois.
Mais bon, c'était Vous vous cherchiez, mais pour un moi, peu c'était trop. ben, l'artiste, il va être tout complet, ouais, il fait des recherches. On peut jamais dire à stop, à ou style dialecte, j'étais qu'un des artistes. Alors, des festivals qui n'ont rien à voir avec les débuts d'Yaoulam et tout, même on ne s'attend même pas.